Commence par les amiibos, hein, comme d'hab. J'ai même pas eu ce que j'avais. Qu'est-ce que je peux... Pas ouf. Pas fifou. Qu'est-ce qu'il peut me donner le Link 8 bits? Corde vigueur. Alors, on va continuer tout ça. Bonjour à tous. Link ne peut pas transporter davantage d'armes. Tiens, je m'en serais douté. Putain. Voilà. Il faut que j'aille voir combien j'ai d'argent. Oh, 4000, ça va. Je vais crafter, You 14, putain. Je vais lui crafter sa race. Fait beaucoup d'argent à chaque fois, mais bon, au moins ça améliore de ouf mon arme et ça me libère de la place. Alors bah là je crois que j'avais tout fait, faut que je continue tout simplement. Voilà, là j'ai pas d'autre choix que de continuer l'histoire. C'est vrai que je peux, si je veux, je... Ah bah d'accord, depuis le début j'étais en 17. Qu'est-ce que quoi? J'ai eu deux nouveaux persos. Je sais pas ce que c'est. Et je viens de recevoir un mail du maire de ma ville. Et ouais, je pèse dans le game. Ayant vu les créatures divines tomber aux mains du fléau Ganon, nos héros se précipitèrent auprès des prodiges, persuadés de pouvoir encore les sauver. À l'est d'Hyrule, les créatures divines Varuta et Varudania se tenaient prêtes pour faire face à la résurrection du fléau Ganon. Mais des monstres s'approchaient déjà dangereusement d'elles. Pour sauver Mipha et Daruk, qui attendaient à bord de leurs créatures divines, Link et ses compagnons se frayèrent un chemin à travers les rangs ennemis. Ah, c'est comme ça qu'il meurt. Genre, il a déjà grandi.
Il était tout petit au début. Sidon ! On va pouvoir contrôler Sidon peut-être ? Tu as le même pouvoir que moi. Mais t'es qui toi ? Ah normalement c'était la voix de Donald Renew lui. Dans What's Up the Whale. Ah bah c'est lui aussi. Pour Odonia, c'est entouré de lave. Impossible de l'approcher pour le moment. Pour l'instant. N'empêche, on est facilement à fond dedans hein, dans le jeu. Moi, c'est vrai que je prends le temps de tout faire et tout. Mais en vrai, il y a moyen d'être vraiment à fond dedans. Bon, je suis à fond dedans. Mais si tu fais toutes les. Tu fais toutes les missions à la suite. Voilà, avant même que t'aies pu attaquer. Faut que j'aille aider Mipha. Mais ouais, mais moi j'aime trop. J'aime trop défoncer du mob. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle a de la vie. Que donc. Oui. Il faut que je fasse attention. Allez, donc. Bon, je reviendrai au pire. Qu'est-ce que c'est cool d'avoir une épée qui balance des trucs. Trop facile. Venu me prêter ma part, c'est rassurant de t'avoir à mes côtés. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est la lave. Ce marais est-il né de l'influence du fléau? Impossible d'accéder à Ruta comme ça. Il existe peut-être un moyen de le faire disparaître. Examinons un peu les environs. Ah oui, ça va être comme dans la forêt, là. Va falloir que je fasse des trucs, je pense. Pour virer la lave et pour pouvoir rejoindre Mipha. Ça doit être ça, je pense. Je commence à voir les patterns. Hein. C'est vrai qu'avant, je me cassais la tête à essayer de niquer son bouclier, mais c'est infaisable sans les bombes. Donc, Il demandait qu'à se faire tuer. Je crois que je me suis pas fait tuer une seule fois depuis le début. Ah putain, je le savais. Oh. Voilà. Il y a quoi maintenant?
Ah merde. Comment je fais lui? Pas hyper intuitif. Voilà. Ah ouais, c'est... ça va être long. Je suis où? Je suis là. Ah ouais. Ah ouais, mais là, je fais comment? Trouver et éliminer l'œil de la rancœur. Mais je l'ai... c'est bon. Faut que je fasse demi-tour et que... Ah, un petit coffre. Oh, je prends 300 rubis. Bah ouais, mais le truc c'est que... Je sais pas comment faire ton délire là. Je suis bloqué. Et Mifa, elle va pas bien là. Comment je peux faire? Ah, ou alors faut que je l'atteigne avec avec mon arc. Il est peut-être quelque part là, mais. Pas clair. Bah ouais, mais je vois pas trop en fait. C'est fermé. Putain, Mifa, elle est presque à la moitié là. Putain. Faudrait. Ah, je crois que je sais. Faut que je fasse un maxi détour. Galère un peu. Ils sont dos à moi. C'est plus que des autres Zoras. Ouh, toi t'es tout seul. Hop là. Donc 4, mon 400e. Pas si là ce que je fais ça sert à rien, je sais pas comment faire. Ouais, mais la visée elle est pas folle hein. Oh, je l'ai eu. Allô. Attends, mais je fais comment? Ah, mais non, mais je peux pas en fait. Je suis bloqué. Ah, bah, je suis bloqué.
Ah putain, là il y avait un. J'avais pas vu qu'il y avait. Oh, mais je fais comment? Ah peut-être que elle serait en hauteur. Ah putain, depuis le début c'est ça. Ah putain, c'est qu'en fait depuis le début. Il fallait que je rejoigne Impa qui était dans un autre level. Mais je peux pas louper ça. J'ai remporté la victoire. C'est vrai qu'elle est vraiment stylée. Avec les bombes à distance. Allez-vous-en. En garde. J'arrive. J'ai remporté la victoire. Il en faut un autre. Cinétis devrait pouvoir. Ah merde, il souffle pas tant que je vais paniquer lui là. Oh non. En garde.
Un linel. Putain. Bon, allez, je mets tout de mon côté. Quoi ? Ça lui donne rien. C'est Mifa qui va pas bien là. Putain, fallait me taper un linel. Au début, j'ai pris trop de temps à chercher. C'est les boules. Oh. Inespéré. Allez, bien que je le nique. Si je le nique pas, je suis mort. Je me demande combien de temps elle peut tenir Mifa. Là c'est tout. Ah c'est bon. Putain. J'étais tout juste hein. Feriez-vous un chemin jusqu'à Varuta? Ah non c'est pas fini putain. Putain, heureusement que... Oh putain, là vraiment c'était tout juste, je crois. On dirait que grâce à notre petit ami, l'accès à Ruta n'est plus réservé à sa pilote. Entrée, lourd. J'ai perdu trop de temps à chercher le deuxième œil. Je vais pas devoir abattre un boss quand même là. Il est fort. Mifa, sois prudente. Oh, juste à temps. Qui ? Oui. Ah putain, je me tape une pas du coup. Putain, j'aurais voulu y aller avec lui, ça aurait pu être bien. C'est pas... Ah, là. Merde. Je suis sûr que c'est fait exprès. Ah putain, c'est de la glace en plus. Pas ouf, c'est bon, moi. Ah, c'est dommage que je puisse pas être avec Link. Avec Link, j'aurais défoncé. Plus Mifa et Sidon, c'est pas super utile, hein. Des doubles. Je pensais pas pouvoir avoir des doubles avec un perso. Un ennemi.
Et en fait, ça fait vraiment rien les bombes. Enfin, les bombes de Impa. J'espère qu'elle est pas fait juste pendant qu'elle fait une nouvelle phase. Oh là, ça fait rien. Je suis déjà à la moitié quand même. On va s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Ça le termine là ? Voilà. J'ai remporté la victoire. Ça aurait été plus sympa avec Link quand même, même si j'apprécie Impa. Quoi, c'est maintenant que tu te réveilles ? Oui, que nous allons aider Daruk. Tu dois être plus de ma sœur. Attends ici, je vais aller l'aider. Oh, lourd. Nouveau perso. T'es léger, hein. Ah ouais, bon, faut pas que je perde du temps. Stylé. S'il est pas encore plus grand que Daruk. Ce Magrok maintient la lèvre en ébullition. La pluie de Ruta ne pourra pas le repalir. Ruta n'est pas vraiment au mieux. Je doute qu'elle fasse pleuvoir pendant très longtemps. Bien. Commençons par régler son compte à ce Magrok. Moi, je demande que ça. Je l'ai.
mal, hein. Espèce de petit con, voilà. Du golf. De terminer, mais j'aurais pu terminer sans. Voili voilou. Yeah.
Ouais, je vais terminer le. Et là, je lui balance ça dans la gueule. Et voilà. Je sais même pas s'il m'a touché. Par contre, le Sidon qui se bat contre une pauvre chauve-souris depuis tout à l'heure. Non, c'est pas là. Pendant que moi, je me bats contre un linel bleu. Bon. Il va y avoir une autre ombre là. Oh, bon, moi je suis avec Link. Ah oui, mais j'aurais peut-être dû être avec Sidon, parce que Sidon... Ah oui, mais Sidon il est avec moi. Je vais peut-être pouvoir au moins l'échanger. Voilà, feu, eau... C'est pas le moment de paniquer. Oui, vous avez raison. Ça sert à rien que je ne vous sauve, si au final, c'est vous qui me protégez. C'est pas juste. Ouais, bien parlé, gamin. J'aime tellement Donald. Et maintenant, on va lui faire sa fête. Il attendait patiemment. Par contre, j'ai niqué toute ma... Oh putain, ça lui fait mal, là. Et comme par hasard, j'ai du feu ici. Parce que tout à l'heure, j'en avais pas besoin, et tout à l'heure, j'avais de la glace, alors j'en avais pas besoin. J'ai niqué toute ma... Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ma glace. C'est bien que je commence une phrase, 10 secondes après, je vous dis ce que je veux dire. De toute façon, une épée de légende niveau 15 qui fait mal sa race, c'est plutôt efficace. Oh, rien. Par contre, si on allait se battre là, sur l'arène, quoi. Ça pourrait être pas mal, hein. C'est pas facile de le de faire de l'esquive. Nous, il avait aucune chance. C'est clair. C'est clair. Bah oui, bah Link là. On... Ah bah, je peux le. Ok. J'avais cette place. Ah, j'ai obtenu une recette. Recette que je n'utilise jamais.
bonne chose de faite. Comment il marche? Merci bien, Link. On fait une sacrée équipe. Un petit gars. Toi, c'est Yunobo, c'est ça? Eh ben, je te remercie aussi. Si j'avais été tout seul, j'aurais été dans un sale pétrin. Tout de même, comment est-ce possible? C'est vraiment toi, petit frère? Ouais. Ouais, c'est vraiment moi. Il a grandi très vite. Enfin. D'accord. Vous n'allez peut-être pas nous croire si on vous dit qu'en fait, on vient du futur. Ah, ok, ouais, c'est. Faudra ok. Qu'on en parle. Mais pour l'instant, on a des problèmes. C'est si long du futur. Princesse, faut nous raconter qu'est-ce qui s'est passé au château. Bah vas-y, parle. Eh bien... Grâce à l'aide de Sidon et Yunobo, apparus soudainement dans les créatures divines, Mipha et Daruk purent être secourus sans encombre. Mais les réjouissances furent brèves. Apprenant que le château d'Hyrule était tombé aux mains de l'ennemi, Mipha et Sidon partirent aussitôt prêter main forte aux soldats qui résistaient toujours à la forteresse d'Akala. Pendant ce temps, Daruk et Yunobo remontèrent à bord de Varudania pour affronter la horde de gardiens qui avançait vers nos héros depuis le château d'Hyrule. Elle n'est pas finie la mission? Je sais que j'ai pris mon temps, mais 45 minutes, et c'est pas fini. Penser que j'ai pas fini cadence, pas refini cadence au Hyrule. Attaquez tous d'un coup si ça vous chante, je vous laisserai jamais passer. Ah c'est un ok. Ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ah mais ça c'est des ennemis, j'avais zappé. Je croyais que c'était de l'herbe. Je me prenais pour un perso normal. On est tellement grand que je croyais que c'était de l'herbe. C'est quoi ça, c'est des gardes? C'est où? Je passe par où? C'est quoi ça? On dirait qu'il n'y a rien. D'accord, qu'il n'y a rien là. C'est un peu flou l'émission de bêtes légendaires. Je sais pas trop que ça correspond et tout.
Ah mais c'est quoi? Peut-être que je peux vous les... Ah non, en fait c'est qu'ils arrivent tous et que moi je dois protéger ici, c'est ça? Enfin je crois. Ah quoique, non, peut-être que depuis tout à l'heure il y a quelqu'un là-bas et c'est en train de me niquer. Ah ouais, c'est ça. C'était ça. C'est en train de me niquer. Et là je suis en train de m'auto-niquer là. Je suis un peu con. C'est ça, j'avais pas compris. Non mais va-t'en quoi. Rendez-vous qu'il y a des gardiens qui arrivent par le consul, il y en a plein. En fait voilà, faut que je protège là où je suis. Yes, ça n'a rien. Déjà, il y a déjà du monde là-bas dans ma casse-bas. Je comprends pas. Chier. Allez, ça dégage. Wow, wow, wow. Et du coup je détruis le pont. Ah. Je me dis jusqu'à quand il faut que je tienne. Ah c'est ça, c'est qu'il y a des gardiens qui arrivent et il faut que je détruise le pont. Ok. C'est bon. Je crois. On l'a détruit là. Par la base, ça m'a fait bouger, j'y vais tout de suite. Il faut que j'aille ailleurs. C'est quelque chose, hein. Faut se calmer, là. Oula. Oula. Est-ce que c'est des avant-passés ennemis? Je vois un grand édifice au fond. Wow. Il fait mal le garou rock là. Ah, c'est qu'en fait je les voyais pas parce qu'ils étaient trop loin tout à l'heure. Ah j'ai réussi. Bon, ça avance de plus en plus. Une défense subit une attaque. On dirait qu'on a réussi à tenir la zone au travail. Ah bah j'ai réussi.
Félicitations du grand Darouk en personne, c'est le plus beau jour de ma vie. Bah arrête de m'appeler comme ça, je suis pas le grand Darouk. Continuons comme ça et envoyons ce maudit Ganon d'où il vient, Yonobo. Elles sont longues ces missions, hein, quasi une heure. Si, donc prince des auras. Le prince des auras est le frère cadet du prodige Mipha, venu de l'avenir. Toujours enjoué et positif, il prend ses responsabilités princières très au sérieux. Il se bat pour sauver sa sœur et protéger le royaume d'Irune. Ah, on peut utiliser Yunobo aussi. Ce descendant du prodige Darouk est venu de l'avenir. Autrefois peureux et introverti, il a trouvé le courage de combattre sans peur pour son village et ses amis. Ouais, c'est logique qu'il nous cale des personnages comme ça. Et allez, c'est parti pour 50 nouvelles missions. Oh, ça va. Mipha et Darouk sont de retour. Alors. Ouais, après l'ouest d'Hyrule et... Ok. Ouais, ok. Mission. Ouais, bon, on peut pas. Que je vende un peu des armes, enfin que je... Bah oui, Sidon et Yunobo, à mon avis, il y a de quoi faire. Ah, mais j'ai pas envie de faire des missions de eux. Ah, je peux. Une voix perd soudain le silence et des mots de lumière dansent devant vos yeux. Seuls ceux qui triomphent de l'épreuve des puissants peuvent prétendre à notre pouvoir. Ça servait à quoi, ça? Vous offrez les matériaux aux mots de lumière et la voix résonne. Vous avez triomphé de l'épreuve. Ah. Ok. Un enfant rêve de déguster une paella de la mer, mais on n'en mange que lorsque... Ah, c'est au village des Caraïbes. Lors d'occasions spéciales, son père accepte de lui en préparer une s'il trouve les ingrédients nécessaires. Aidez-le. Lord qui me donne, aidez-le. Avec les ingrédients que vous lui avez apportés, le père a préparé une paella de la mer que l'enfant a dégusté avec une joie non dissimulée. Pour vous remercier, il vous a appris la recette. Eh ben merci, papa. Ok, bon, il faut que je fasse Sidon. En petite casquette dessus. Les auras aimeraient organiser un atelier de remontée de cascade ouvert à tous. Sinon, vous avez fait part du projet en vous précisant que son financement reposait sur les donations volontaires. Quel 2000, fait chier. Un Zora ayant entendu parler des gardiens est intrigué par les travaux des Sheika, comme ils disent, et aimerait se lancer dans la recherche antique. Si vous lui prépariez le matériau à examiner, bien sûr. Je suis devenu plus fort. Épaté par les recherches du Zora, Sidon l'a recommandé au laboratoire royal. Les chercheurs Sheika l'y ont accueilli chaleureusement et il compte s'investir pleinement dans ses recherches. Pas mal. Ces dernières années, on trouve après chaque puits une ressource de grande valeur nutritionnelle dans la région de l'Anel. Essayez d'en collecter pour les soldats Zora qui défendent leur domaine. Je me charge de la prochaine bataille. Les soldats Zora qui protègent le domaine jour après jour étaient ravis de votre cadeau. Ils ont juré de continuer à protéger les terres qui leur procurent ces matériaux. Parfait. Ça, on peut pas. On peut pas. Le roc au feu, une... Attends. Le roc au feu, une cargotte spécialisée dans les repas les plus durs d'Hyrule, souhaite préparer... Un festin pour tous les Gorons qui travaillent au service du royaume. Vous avez ce qu'il leur faut. Bien sûr que j'ai ce qu'il leur faut. Les Gorons, fatigués par leur labeur quotidien, étaient ravis de tous ces plats à la dureté inimaginable. Tous les plats se sont vendus en un clin d'œil et la fatigue des Gorons s'est envolée. Et bien parfait.
À part les Gorons, personne ne résiste à la chaleur de la montagne de la mort sans remède ignifus. Mais les recherches sur la gelée Chuchu Rouge pourraient bien changer la donne. Je suis plus fort. Grâce aux études de la gelée Chuchu Rouge, les artisans ont une piste pour fabriquer les vêtements ignifugés en masse. Voilà qui facilitera les échanges culturels avec le village Goron. Ah cool. Casque que je mettrai jamais. Sous l'influence du fléau, les monstres multiplient les incursions dans les sources chaudes où les Gorons aiment se délasser. Trouver de quoi les aider à établir un périmètre de défense. Je sens une force débordante. Grâce à vous, la troupe de défense a vu le jour. Les efforts des gardes au corps dur, comme le roc, ont beaucoup réduit les dégâts sur les sources et tout le monde peut en profiter. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à lire dans le jeu, c'est ouf. J'ai trop de mal à lire dans le jeu. Ça, il me fallait quoi en plus? Pour tenir tête au fléau, les Gorons ont décidé d'augmenter les capacités de stockage alimentaire de leur village. Collecter les ingrédients pour ceux qui ne mangent pas de rochers. Je vais m'entraîner encore plus. L'éventail de nourriture que vous avez fourni devrait subvenir à tous les besoins pour un bon moment. Bien sûr, il y a aussi dans l'entrepôt gigot de Kayas de la taille du mont Hébra. Fasciné par le désert, les petits auras. Ah mais je peux pas. Ok. Du coup. On va faire des petits épreuves antiques. Ah voilà, c'est à mon avis faut que. Faut que je défonce du... Attends, d'abord je vais forger des armes. Comment ça fait mal cette arme? Ça va être un niveau en mode faut que je batte des grands méchants dans un dans une arène, je pense. C'est de faire les petites missions, après je fais sauver l'ouest d'Hyrule. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ah. Putain, c'est drôle. Au nom de la déesse, il y a. Ça va. Merde. J'ai pris les bombes juste avant. Ça part pas beaucoup. Hein.
Yes. Boomerang les ailes robustes, juste ça. Putain, je te prête mes forces et que la Décilia te protège. Ben merci, j'espère bien. Là, tu me prêtes de la moula, c'est déjà bien ça. Merde, je regarde pas ce qu'il me donne. Je suis con. C'est beau, c'est marrant, ça a changé. Avant c'était c'est beau et tout. Et maintenant voilà. Oh, je peux l'utiliser. Trop bien. Ce guide spirituel du clan Sheka vivait il y a 10 000 ans, à l'époque où le clan maîtrisait une prodigieuse technologie. Ayant reçu les révélations de la déesse Ilia, il est resté assis au cœur d'un sanctuaire. Des épreuves pour attendre l'arrivée des héros. Ah mais c'est fort ça. Ils nous mettent v'là les... Ah ouais. Ils nous mettent v'là les persos secondaires, c'est ouf. C'est fort. C'est des nouvelles épreuves. Waouh, 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 il y en a tellement. Toi qui surmontais l'épreuve de l'autre dimension, prouve-le et révèle un symbole d'endurance. Ces paroles viennent de flotter dans l'air. Vous avez déjà vu ça quelque part. Quand vous avez offert les matériaux et la lumière mystérieuse, le message s'est transformé. Tu as réussi à surmonter cette épreuve. Je vais offrir une force nouvelle à tes compagnons. Toi qui as surmonté l'épreuve d'autres dimensions, prouve-le. C'est pour eux. J'ai vu ce qui est. La même chose, je vais pas lire. Waouh, il y a tellement de missions secondaires là que je vois sur la carte. Oh. C'est ouf. Regarde tous les petits trucs bleus là. Waouh. C'est bizarre qu'il y en ait pas. Je comprends pas c'est quoi ça par exemple.
Ah mais elles viennent d'où? Ah mais c'est celle que j'ai déjà... Ah mais oui mais c'est des bleus. Ah mais je suis trop bête. Les bleus c'est celle que j'ai déjà fait. Je suis débile. Je suis débile. Débile. Merde, c'était là où je voulais aller. Ouais, il faut beaucoup ça. Je donne tout aveuglément, mais... Est-ce que ça vaut le coup? Je peux pas en faire plus. Ok. Ah. J'avais pas vu ça. Épreuve accomplissable. Akala, ah bah voilà, on est Akala. Ça, on est bon comme ça. Guide Mycos là. Ça, c'est quoi? Inox. Inox Linel aussi, putain. Et ça, est-ce qu'ils vendent des crabes comme ça, à un endroit? Pas sûr. Ok. Du coup, entraînement du guide. On va faire l'entraînement du guide. Mais attends, mais d'abord, oh, non. Entraînement du guide. Non. Il a quoi comme arme? Belle que ça. Il va falloir. Vas-y, on va voir ce que ça donne hein, de se battre avec le guide. Le guide Mycos là. On dirait que son nom c'est Mycos. C'est Mise Cosia ou je sais pas quoi, mais quand tu lis vite. Ah, c'est chargement. C'est long. Ah, c'est un peu comme Impa, je pense. Alors, qu'est-ce que ça va être? Il a quasiment rien fait.
Alors c'est quoi la mission là que je dois faire? Il me dit beaucoup d'ennemis, ok. Ça va le faire. Ça sert à rien que je m'acharne sur ça. Ah, il fait comment quand il accélère? Ah, c'est, ça devient une boule, c'est drôle. Ouah, ça en nique quand même 50 d'un coup. Pas mal, hein. Ah, il était là, j'avais pas vu. Pratique d'avoir les deux en même temps. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais j'ai pas de temps. Ah, il devient grand. Comme dans le... la première fois qu'on le voit. C'est drôle de voir contrôler ce mec, putain. Comment ça, il est bon chez lui? C'est de la merde. En fait, c'est là où il est, quoi. Wow. Stylé. Stylé. Je suis devenu plus fort. Thank you.
Il y a Among Us qui est sorti sur Switch. C'est fort. Enfin, il était temps. Éliminer beaucoup d'ennemis. 6 minutes pour éliminer 300 ennemis. C'est quoi la douille? C'est qu'il y en a pile assez ou... entre eux ou c'est quoi? Ça montait au niveau 43, ouais, c'est ce que je me disais.
Conscient que l'avenir des Zohar repose sur les enfants d'aujourd'hui, sinon elle décidait de leur enseigner une remontée de cascade. Prépare une récompense qui leur fera plaisir. Je suis devenu plus fort. Les enfants ont appris à remonter les cascades avec brio et ont chacun reçu une récompense. Ils ont fait la promesse à Sidon qu'à partir de maintenant, ils protégeraient le domaine Zohar. Ah, parfait. Merci Sidon. Donc son arme, c'est un gigot. Salut Diablante, tu vas bien? L'arme du perso que j'ai pris, c'est un gigot. Ça fait quelques temps que t'es pas passé, comment tu vas? Est-ce que t'as... Est-ce que tu as... acheter Train et tout alors? Manger un gigot de caisse pour activer le pouvoir du bouclier. Ah ok. Ça va, j'ai subi une opération. Ah merde. Et enfin tu me dis que ça va, mais du coup ça va vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que ça va, mais... Wow, j'ai... Attends, mais tout à l'heure j'avais 6 minutes pour battre 300 ennemis, c'était beaucoup plus simple, et là j'ai 5 minutes pour battre 600 ennemis, mais ça va être chaud. Non, pas d'achat, je ne pourrais pas jouer pendant quelques temps. Ah mince, tu as mal aux mains ou aux bras ou aux poignets ou que sais-je, qui te fait ne pas pouvoir jouer. Vous allez subir mon attaque. Ah non, je suis à 300. Mais du coup, tu me dis que ça va, ça va quand même malgré l'opération. J'espère. Tu sais que moi, les opérations, c'est un peu ma phobie. Hein. Même si je sais qu'on est en 2020 et que maintenant il y a vraiment des techniques spéciales et tout, mais moi ça me fait flipper. Opération du nerf cubital, bras et main droit bloqués. Oh, ah ouais, mais comment? Mais alors attends. C'est à cause de l'opération que ton côté droit est bloqué? À cause de l'opération du nerf cubital? Je sais pas ce que c'est que le nerf cubital. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Et alors, enfin, sauf si c'est trop perso, mais comment ça s'est passé? Enfin, je veux dire, c'est... T'as eu une opération et c'est pour ça que t'es bloqué? Ou alors l'opération que tu l'as eue et parce que tu es bloqué? Oui, pas de douleur, juste un peu handicapé. Ah mince, ouais. Bah j'espère que ça va pas trop t'handicaper quand même. C'est le nerf qui va du coude à la main. D'accord. Ok. Ah bah oui, du coup, tu peux pas jouer, oui, forcément. Ah oui. Et t'es droitière ou gauchère? Parce que... putain. Opération car j'étais bloqué. Ah oui, t'étais bloqué, du coup, t'as été opéré. Ok. C'est pas dans l'autre sens, quoi. Ok, bah et donc c'est des trucs qui arrivent, hein, mais t'es droitier. Ah, mais alors,
Attends. Parce qu'avec l'orthographe, j'arrive pas à savoir. Peut-être que je me suis fourvoyé depuis le début, mais tu es une femme ou un homme ? Je croyais que t'étais une femme. Peut-être que j'ai raison. Mais parce que des fois, tu mets pas de E, pas de E et tout. Genre, tu me dis, je suis bloqué avec un E et droitier et pas droitière. Donc j'ai du mal à... C'est pas des reproches, hein, mais juste que je sais pas. C'est... Du coup, ça me perd un peu. T'es un homme, ok. Bah, je croyais que t'étais une femme. Mince, je croyais que t'étais une femme depuis le début. C'est drôle. Bon, c'est pas très grave, ça. J'espère que ça ne vexe pas, mais ok. Bah, très bien, maintenant je saurai alors, du coup. Pas de problème. Mais en tout cas, j'espère que ça va vite se résorber pour que tu puisses rejouer. Pas de soucis, bon, très bien. Nous, avec Bobo, l'ami avec lequel je jouais à Train, on a fini Train. Et on... Bah, t'étais peut-être là, d'ailleurs. Et on a joué un... On a commencé un nouveau jeu qui s'appelle Biped. On y jouera demain, si tu veux passer. C'est drôle. C'est assez spécial, mais c'est très drôle. C'est un jeu coop, encore. Une ou deux veut manger varié pour devenir grand et fort. En quête de saveurs nouvelles, il aimerait goûter un Tilorok. S'il veut réussir à en attraper un, il va falloir qu'il fortifie ses jambes. Il a réussi à attraper un Tilorok et comme il a appris une nouvelle technique en le courant après, il l'a échappé. Eh ben bravo. Bon bah on va faire une petite mission. Hein. Oui j'ai vu Biped. Ah t'as vu ? T'as vu, t'étais passé nous voir ou alors tu connais ? Mais c'est drôle. Mais c'est spécifique. Surtout quand on marche. Quand on doit marcher nous-mêmes. C'est très spécial. Ah, je peux pas... Ça coûte que 350 pour améliorer. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce que... Peut-être parce que j'ai libéré la région et que du coup... C'est ouf. Oui, t'es passé? Ah ok. Ah bah t'as vu alors du coup. C'est drôle. On y rejoue demain. Putain, je me ruine dans la fusion. Alors, attends. Parce que là, j'ai vu que le... Faire une mission avec... Et du coup, t'as pas trop de mal à écrire, là ? T'écris que d'une main ? Ah, ça doit être quelque chose, quand même. Hein. Ouais, équipe Yunobo et Impa, on va changer Yunobo, non ? Ouais mais alors attends, non peut-être pas, peut-être que c'était conseillé parce que justement... Ouais mais Link il est quand même niveau 58, on va tenter. Parce que clairement Yunobo, je viens de l'avoir, je le connais pas trop, il a un gameplay lourd et tout. Sur les images enregistrées par le gardien... qui avait voyagé dans le temps. On pouvait voir les quatre créatures divines se retrouver possédées par l'influence maléfique du fléau Ganon. Ces images concernaient bien sûr aussi les créatures divines Vamedo. Ouais, t'écris que d'une main gauche, quoi. Boris, t'es galère. Qui se préparait dans l'ouest d'Hyrule pour faire face à la résurrection de Ganon. Et t'écris sur le clavier ou sur le téléphone ? Ayant vu depuis le château d'Hyrule, une lumière bleue émanait de Meadow. Zelda et ses compagnons repartirent à l'attaque pour porter secours à Revali et Urbosa, persuadés que ces derniers combattaient toujours à l'intérieur de leur créature divine. Clavier, ah oui. Bon après, ça prend juste un petit peu plus de temps, mais c'est tout. Et du coup, tu peux plus travailler et tout ? Ça, c'est chaud quand même.
Tu sais pourquoi t'étais bloqué? Pas cool. Yo Tifu, ça va? Comme tu vois, on avance un peu. Tu peux pas rester longtemps? Ok. Bon, tu passes un petit coup de vent quoi. Stylé ces scènes quand même. Oh, on va contrôler Teba. Fais voir mon secondary. C'est Teba. Là j'en ai eu plein là. J'ai eu Rijou. Madame Patricia. Teba le best. T'es en arrêt pour 6 mois. Oh, mon pauvre putain. Ah ouais. Et tu vas faire quoi? Tu sais ce que tu vas faire? J'ai eu Yunobo, j'ai eu le mage, j'en ai eu plein des nouveaux là, j'ai eu plein de nouveaux persos. Mais là à mon avis si on a Teba et Rija et Madame Patricia, ça va être drôle. Waouh, cette mission, je sais pas si j'aurais dû me lancer là-dedans là. Là ça va être super long, non? Cela semble venir de l'utilisation du clavier et de la souris. Ah ouais? Ah ouais? Ah oui, t'as dû y aller, hein. Mais c'est quoi ton métier? Tu pianotes autant que ça? Parce que moi, mon métier, c'est clairement d'être sur l'ordinateur et le téléphone et tout, et j'ai jamais eu ça. Bon, après, je touche du bois, hein, mais... Putain, mon pauvre, en tout cas. J'espère que tu as trouvé de quoi t'occuper pendant 6 mois. C'est ton métier. Voilà. Et Tifu, toi tu kiffes Teba? Bah écoute, je verrai. Mais c'est cool qu'ils te mettent des petits persos secondaires comme ça. Là. Du coup, ça me fait dire qu'il y a vraiment moyen d'en mettre plein. Genre, je sais pas s'il est vraiment là, mais... Il est là plus tard dans le jeu, mais il y a grave moyen de qu'on puisse combattre avec Terry, quoi. Ce serait trop drôle. Terry ou je ne sais qui. Enfin, s'ils mettent des persos vraiment, vraiment secondaires comme ça, si on peut combattre avec Madame Patricia, j'ai un doute, mais peut-être c'est peut-être une grosse attaque de Rija, je sais pas. Je sais même pas ce que je dois faire. Revali, c'est un Teba Eco Plus. Ah ouais, Teba, il est mieux que Revali. Il y a tellement d'icônes sur le terrain que j'arrive pas à discerner ce que je dois faire. Pourquoi il y en a qui tombent de... Pour toi? Ok, bah écoute, je vais voir. Hein. Et tu t'as le mage aussi? Parce que le mage Mirza, là. Une cause, là. Il est pas mal, hein. Parce que là, tu l'as que en faisant des persos secondaires, mais des missions secondaires. Mais c'est peut-être ça que tu me disais l'autre jour, d'ailleurs. Astor. Non, pas Mirza. Tu sais, le mage des sanctuaires. Par contre, Rija, elle a l'air pas mal. Hein. Elle doit être moins lourde que Urbosa, ça doit être pas mal. Mais où est-ce que je dois aller, là? Ah bah, il y a un coffre, là. Miskioja, ouais, c'est ça. En
Rendez-vous vite auprès de Naburu. Ben oui, mais... Je sais pas, j'étais bloqué. Ah, mais... Si. Alors, attends. Par là. Oh. Mais lâchez-moi. C'est dingue, ça. Oh non. Oh, j'ai appuyé sur A pour sauter. L'erreur du joueur français. Le robot, ça est mieux. Bah écoute, ok. De toute façon, moi, je vais continuer à utiliser Link et Impa. Hein. Ah, faut que je défonce lui, de toute façon, c'est ça. Évidemment, je fais un petit foncé juste quand il est mort. Allez, lâche-moi. On dirait qu'il est cheap. C'est drôle. Et du coup, Diablinthe, tu vas faire quoi? Tu vas mater des séries fait mal. Mais ce qui fait chier, c'est qu'il n'y avait plus de baguettes de feu. Wouah. Allez, ça dégage. Vous êtes trop là. C'est bon. J'avais de l'eau. Mais apparemment la poudre ça lui fait mal aussi. Oh. C'est ouf. Fun fact, quand tu cinétises un ennemi qui est faible, la jauge reste. Ah ouais? C'est drôle ça. C'est un petit bug d'affichage. Attends, mais par contre là je passe par où là, pour aller au dernier? J'espère que j'ai pas encore perdu là le temps à trouver. C'est juste au-dessus, mais je fais comme... Ah oui, non, faut que je fasse un détour. Non, c'est prévu et c'est utile. Ok. Ça sent le coffre par là, non? Ouais. Je le sentais. Oh, en plus, c'est des nouvelles maracas. Allez, vous dégagez. Ah putain. Je sais pas pourquoi j'utilise ça ici, mais...
L'autre qui se fait enchaîner derrière. Toi, t'as fini le jeu ou pas? Pas encore, ok. Parce que tu prends ton temps ou parce que il est long? Parce qu'il est long en soi. Hein. Ah mince, j'allais encore appuyer sur A. On est d'accord que le gameplay de Zelda, il est chiant. De la princesse. Qu'est-ce qu'il y a vraiment ce jeu ? Oui. Clairement. J'aurais pu attendre que les autres arrivent. Ouah, mais c'est quoi cette horde? Il est long, mais je vais faire la dernière mission avec un pote. Ah ok, tu peux faire ça. C'est quoi? C'est un linel de foudre. Wow. Utiliser Cinetus. Ouais, je suis pas trop fan moi. C'est pas génial, je trouve. Ah bah quel con. Ah, Cinetus, c'est la glace. Je suis bête. Voilà, quand tu es faible. On dirait que grâce à notre petit ami, l'accès à Naboris n'est plus réservé à ses pilotes. Ben parfait. Fais-moi un chemin. Ben parfait, j'y suis. Comme ça, j'ai le boss avec Link. Avec Link. Elle est stylée, Rija. Ah oui, c'est... Oh là là, celui-là, il est chaud dans le Breath of the Wild. En fin de compte, mon aide n'aura donc pas suffi. C'est de la faute de Patricia, de Patoche. Détrompe-toi. Il est easy, c'est vrai. Grâce à toi, bon. Nous avons tenu. Et nous allons pouvoir nous... Par contre, j'ai plus de baguette de glace, je crois. Madame Patricia, elle fait la gueule. Elle s'appelle Madame Patricia, quoi. Oh, si, on la glace un peu. Cinetis quand il y a... Mais je m'en rappelle plus ce que c'est, Cinetis et la jauge.
Je comprends pas quand est-ce que tu l'utilises. Cinétis, c'est le bloqueur de mouvement ou c'est la glace? RX. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le bloqueur de mouvement, quoi. Ah oui, quand il y a la roue. Comme ça, là, maintenant. Sauf que là, j'ai pas pu l'avoir. Comme ça. Ah putain, oui, c'est pas une mauvaise technique, ça. Tu sais que j'avais jamais pensé depuis le début du jeu. Oui. Merci. Putain, je termine comme ça, trop stylé. Bah, 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 bah. Merci, mec. Mais j'avoue que j'avais même pas pensé à ça. En fait, quand il y a la jauge, tu le bloques. Comme ça, la jauge, elle reste et c'est plus facile. Putain, c'est pas bête, hein. Merci. Comme quoi, t'as vu, je me prends la tête et j'y arrive sans ça. Elle était belle, ma dernière attaque, là. En mode bullet time à l'arc et tout. Ah! C'est drôle. Ah, mais c'est bizarre. En fait, son arme, c'est Patricia, quoi. Elle a des doubles aussi. On va repasser chez Link. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Un inox, sauvez-vous. Bah non, on va le niquer. Moi je l'attends, le inox. Éliminer le inox de glace, c'est ce que j'ai dit. Bah vas-y, hein. On est là, hein. Par contre, j'ai trouvé aucun corps au goût là depuis le début. Bizarre, hein. Ah merde! Ok. j'ai fait. Je suis allé je ne sais où, mais c'était pas là qu'il fallait aller. Donc, du coup, obligé de prendre. Tiens, c'est Varuta. Va. Medo. Ça a explosé. Ah, mais casse-toi! Mal, hein. Ah mais j'ai qui? Ah mais lâchez, mais c'est dingue ça. Ouais,
c'est pas bête l'histoire de la... de Cinétis pendant la barre. Comment j'ai pu ne pas y penser depuis le début? Oh merde! C'est vraiment pas bête en fait. Mais du coup ça m'aurait fait tellement gagner du temps. Mais limite c'est cheaté je trouve. C'est ouf. C'est pratique mais j'avoue que pour les modes héroïques et tout ça doit être quelque chose. Ça doit bien aider. Sur certains persos, c'est pas trop utile. Ouais. Comme Mipha. Ah ouais? Pourquoi c'est pas utile chez Mipha? Il me saoule là, ils sont en masse comme ça là. Allez hop, ça dégage. Elle est obligée de faire une attaque un peu ouf quand elle la cinétise. Ah ouais. Ah ouais, donc chiant, ça fait plus perdre du temps qu'autre chose quoi. Pourquoi je peux pas y aller là? Je nique lui. Oh, il y a eu deux attaques et c'est bon quoi. Sur une ligne, c'est très fort en bas et grave. C'est bon, j'ai plus de mission là, je peux en profiter pour faire un peu ce que je veux. Ah, il y a des lunettes. Jamais il me laisse. Hein. Éliminer le Linel blanc. Le truc c'est qu'il faut que je le fasse avant que l'autre là aille mal. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Putain mais c'est trop bien en fait. C'est ouf.
Même pas besoin des... Même pas besoin du cinétis. Moi, je le démonte. Moi. Et la princesse qui m'envoie un petit cube, là, histoire de dire que j'étais là, j'étais présent. Attends. Encore au goût, quand même. Par contre, là, j'ai fait un rush dans la mission. J'aurais bien fait 2-3 autres trucs, quoi. J'ai encore du temps. Genre, je sais pas, trouver des matériaux ou des coffres. Ou... J'ai galéré contre cette ombre. Ah ouais? Écoute, on va voir. Hein. Ah, elle est bizarre son. Oh, trop bizarre. Bon, en fait, ça me fait chier. En tout cas, les styles étaient bas. Grand Rivali, à vous de jouer. Maintenant, prends ça. Bon sang. Encore un coup pour rien. Ouais. Mais... On dirait bien que le vent vient juste de tourner en notre faveur. T'as de beaux yeux, tu sais. Bah vas-y, tape. Il tape pas comme ça, quoi. Putain, mais ça, c'est vraiment une technique de folie que tu m'as donnée. Stylé quand même, les ondes de Ganon. Merde, il est où? Ah mais cette technique, mec, c'est n'importe quoi. Tu le roules dessus de ouf. En plus, je joue assez bien là, donc allez encore. Drop the manette, mais j'ai pas vraiment la lâcher. Ah, il est pas mort. Ah merde, il est pas. Il était pas mort. Un mini coup, putain. Ah si, peut-être qu'il était mort et qu'en fait il a simplement pris la fuite, mais pour le moment on est tiré d'affaire. Tu l'as tiré d'un beau pétrin, Link. Jamais j'aurais cru me battre un jour à tes côtés. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Putain, donc là on a Teba et Murja. Je sais plus comment elles s'appellent.
Ah oui, mais là, c'est pas fini, il va falloir qu'on l'utilise pour niquer tout, c'est ça? Bien. Tout d'abord, je dois vous remercier. C'est grâce à vous si on s'en est sorti. Robosta. Merci aussi. Un stylé, le plan. C'est bien ton nom. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton intervention. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est notre victoire à tous. C'est sa descendante, c'est ça? Dans le Breath of the Wild. Ouais, on aurait très bien pu s'en sortir à deux. Ouais. Mais j'imagine que ta présence n'a rien gâché. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas comme ça que je voyais le grand prodige. Nous avons bien des choses à nous dire, mais... Il est stylé, Théba. Dites-nous, madame. Que s'est-il passé au château d'Hyrule? Eh bien... Pourquoi elle parle, elle dit pas? Tout à l'heure, elle a fait le même coup avec Daruk. Grâce à l'aide de Théba et de Rijou, soudainement apparu à l'intérieur des créatures divines, Link et ses compagnons parvinrent à sauver Revali et Urbosa. Ayant appris par Zelda la chute du château d'Hyrule, Zelda, Revali et Théba remontèrent à bord de Vamedo pour affronter la horde de gardiens qui avançait vers nos héros depuis le château d'Hyrule. Là, on a Vamedo, là. Ah, stylé. N'empêche, l'univers de Breath of the Wild colle vraiment. L'heure est à nouveau venue de montrer à tous. Je trouve à. De la créature divine Vamedo. Au concept de Hyrule Warriors. Dans le sens où c'est des armées qui se combattent, quand tu vois plein de bokoblins, c'est beaucoup plus logique que de voir que des groupes de trois, tu vois. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Enfin, Breath of the Wild, ça colle très bien, mais c'était souvent que des groupes de 3 moblins ou 3-4, tu vois. Alors que là, tu vois des troupes entières et je trouve ça... Je trouve que ça colle carrément, en fait. C'est idéal. Waouh, qui me balance ça? Le genre, le sorcier, il est aussi grand que ça? C'est bizarre. Faut que je fasse quoi? Détruire la totalité des avant-postes? Ok, il en reste quand même. 13 sur 44, ah ouais. Bon, ça déconne pas. Ça, c'est drôle par contre. Allez, hop, Linux. Il dégage. Mais c'est quoi? C'est une ombre? C'est l'ombre de Ganon? Bah... Qu'est-ce qu'elle fout là?
Putain, j'aurais dû... Ah bah, je l'ai, c'est bon. Il est où? Bah, il est où? Ah bah, super. Eh bah, bravo, Nils. Tu l'as cassé. Putain. C'est vraiment un sale petit con. Elle est partie. Ah, ok. Elle aurait pu lui dire au revoir. On n'a pas élevé les cochons enfin, c'est vrai. Allez. Ça revient vite, n'empêche le. Ouah, mais ça les défonce. Ça défonce tout en fait. Quand tu l'utilises à bon escient. On en a combien à 32 sur 44? C'est que les WAP, ils sont pas faciles à voir. Je sais pas si je fais les choses bien, là, parce que lui, il me fait vraiment chier. Et là, il va pas disparaître pile à ce moment-là. Non, non, c'est bon. Alors, t'en dis quoi? Wouah. Sa lame est démontée. Est-ce que si on la nique, ça nous rajoute un truc, un bonus? Oh non, elle est partie. Les derniers, ils me les montrent. Attendez. Elle est toujours pas mortelle. Mais quoi? Mais pourquoi... Pourquoi ça lui a remis toute sa vie? Ah, en fait, à chaque fois, elle revient. Avec toute sa vie. Allez, on y croit. Ça va pas marcher. Voilà. Putain. T'y vas, Tifu? Ok, bah écoute, merci pour le tips, merci d'être passé. Je te souhaite une bonne soirée et n'hésite pas à repasser quand tu veux. Hein. Demain, joue à Bipède. Merci quand en tout cas. J'ai cherché d'où provenait la voix. J'ai vu ce monstre qui allait te tuer, Miva. J'ai voulu voler à ton secours et en un instant, je me suis retrouvé à l'intérieur de Ruta. Titre. C'était grâce à ton pouvoir, n'est-ce pas? Merci. Bien. À présent, hâtons-nous vers la forteresse d'Akala. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. J'arrive. Il est trop mignon, lui. C'est mon ref sûr.
Oui, c'est vrai, on sait toujours pas qui c'est l'autre là. Qu'est-ce que tu manigances ? Tu ne comprends donc toujours pas. Ils sont devenus très forts. Bien plus que je ne l'aurais pensé. Ainsi, j'ai besoin de vous deux. Pour finir, vous allez œuvrer une dernière fois à l'accomplissement de notre grand dessein. Putain, la mise en scène. Non, je peux pas faire ça. Sous pas l'oignon. Dans ce cas, je vous protégerai même si je... Genre, on va contrôler Soupa ? Des sacrifices offerts au fléau Ganon. C'est l'ultime rôle que vous allez remplir. Mais là, la mission, elle va se terminer quand même. C'est 3h30. Hein. Calme-toi, c'est pas si drôle que ça. Enfin, je veux dire... Je comprends pas pourquoi les méchants, les grands méchants dans les films, les dessins animés, les jeux, ils ont toujours un rire mais diabolique, genre ah putain ça va être trop bien, le monde ça va être le chaos, ça va être le mal incarné, ça va être horrible, atroce, ah 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 ah, ah putain c'est trop drôle. Je comprends pas. Théba, ce guerrier piaf venu de l'avenir porte une admiration sans borne au prodige révélé. Il n'a pas son égal lorsqu'il s'agit de voler. C'est un guerrier né, mais il peut parfois se montrer imprudent et colérique. Rijou. Cette descendante du prodige Urbosa est venue de l'avenir. Elle a pris la tête des Gerudo à un jeune âge. Ah, j'avais pas vu le papillon chez Patricia. Succédant à sa mère morte prématurément. Elle se soucie plus que quiconque de son peuple et a tendance à agir de son propre chef sans se soucier du danger. Ouais, ça va être là l'émission là. Je pense que je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, je ferai des missions et comme d'hab quoi. Bah voilà, on a tout le monde. Juste, j'ai envie de faire un truc. C'est valider cette mission là que je crois que je peux. Ah bah non, je peux toujours pas. Bon, on va save. Voilà. Bon bah voilà, bah merci les patounes, merci à ceux qui ont suivi cette avancée, la reprise d'Hyrule Est et Hyrule Ouest. Prochainement, on fera la reprise d'Akala, la bataille d'Akala. Putain, ça va être stylé. Ça va être cool. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour la suite des aventures.